Monde, je suis Danfield et aujourd'hui on découvre la démo de Café Owner Simulator, un jeu dans lequel on gère son café à la première personne. On va commencer par rénover le bâtiment, on va l'emménager, recruter des employés et servir la clientèle. Alors, dans le jeu, notre père a ouvert plusieurs restaurants, il a dû emprunter de l'argent à la mafia pour cela. Apparemment, il y a quelque chose de louche qui se passait et il n'arrivait pas à faire un petit bénef. Donc il a dû fermer, revendre son entreprise et maintenant on prend la relève avec l'argent qu'il nous reste. Allez, c'est parti! Nous voici sur place. Alors, on jette un petit coup d'œil au restaurant pour voir ce qu'il faut faire pour préparer l'ouverture. Il est vraiment crade. Regardez-moi le toit. Les fenêtres sont cassées. Il y a des débris partout. Oh là là. Mais avant, on regarde la tablette. Elle est vraiment pratique. D'ici, on peut acheter de nouveaux meubles, des ingrédients, préparer le menu, payer les factures, acheter des outils, gérer le restaurant lui-même. Et il y a un paquet d'autres catégories qui ne sont pas encore disponibles dans cette version du jeu. Allez, c'est parti. On déblaye l'entrée et je vois qu'il y a déjà des rats sur place. Oh là là. Bon. Mais avant, on doit rétablir l'électricité. Donc ça se fait dans le petit bâtiment qui est juste derrière le restaurant. Le disjoncteur est là-bas. Hop. On l'active. Et normalement, lumière. Et je ne sais pas à quoi sert cette machine. C'est peut-être un générateur? Peut-être une pompe? En tout cas, ça a l'air bien rouillé et pas prêt à fonctionner. Bon, alors, maintenant, il faut se débarrasser de tous les déchets. Donc quand je ramasse quelque chose, vous pouvez voir que ça remplit la poubelle qui est en fait là. Ça va être téléporté directement là-bas. Et à 100%, il va falloir appeler les éboueurs. Alors, on se débarrasse des feuilles, des sacs poubelles, des tonneaux, des morceaux de cajot. Hop, et on va essayer de faire quelque chose de propre qui peut accueillir quelques clients. Hein, donc, notre objectif est déjà là de préparer le restaurant, ensuite de recruter des employés et commencer à faire ce qu'il faut pour servir le petit monde. Alors, hop, hop, hop. Et regardez ça. Hop, voilà. Je pense que cette zone est bloquée et qu'il va falloir la débloquer plus tard. Peut-être dans cette démo, peut-être dans une autre version du jeu. Je suis pas sûr. Alors, hop. J'adore en tout cas les jeux où vraiment je démarre de zéro. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Hein, bah, c'est comme ça qu'est née la chaîne. Hein, je démarrais avec aucun public. Et je l'ai développé au fil des années. Hein. Je bosse dessus depuis 2013-2014. Et donc ces jeux où on commence son entreprise de zéro, vraiment c'est quelque chose qui me plaît. Alors du coup, oh, regardez-moi l'allée, elle est magnifique. Il reste quand même quelques petites choses à retirer. Donc, ouh, on va recevoir peut-être du mail de là, plus tard. Ah, la poubelle est pleine. Donc, on va dans le restaurant. Et hop, on paye 50$ pour... Ouh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Hé, hey, va-t'en! Va-t'en! Hey. Ok, je peux appuyer sur E sur lui? Oh! Parce que ça fait d'appuyer sur E, donc ça le chasse. Ah, ok. Regardez. Ils arrivent, et là, ils vont bah, vider la poubelle. D'ailleurs, on démarre avec 15 000$. Notre père nous a donné 50 000$ une fois qu'il a fini de payer ses dettes à la mafia. Et il lui reste 15 000 apparemment, une fois qu'on a racheté peut-être ce terrain et ce restaurant, je suis pas sûr. Voilà, ok, c'est vide. Et donc on doit faire au mieux avec les 15 000. Ils vont 14 950 maintenant. Allez, hop. Voilà. Allez, ces feuilles, on les retire. Normalement, si on chouchoute bien le restaurant, il devrait monter de level à un moment. Il débloque de nouvelles choses. Bon. Et ça non, c'est pas le tapis de bienvenue, ou alors il a un petit peu vieilli. Ah ça y est, on est monté de level, parfait. Bon, alors on va se débarrasser de tous les déchets. Ah ça c'est la poubelle. On va se débarrasser de tous les déchets, toutes les feuilles qu'il y a là-dedans, comme ça au moins la zone va être déblayée. Et je vais pouvoir capturer les rats plus facilement. Alors, ils se déplacent vite. Voilà. Ah non, non, petit coup de râteau sur la poubelle, c'est pas ça, ok, alors là on est bon, allez, donc maintenant on va dans le magasin outils, on achète ça, on le prend, alors vous pouvez voir le nombre de rats en haut à droite, il y en a 3, ok, je crois que je l'ai eu, non je l'ai pas eu, ah si, il y en a 2, ok. Incroyable. Allez. Non mais... C'est bon? Je sais pas si j'ai eu. Ok, il y en a plus qu'un. Non, ok. Le compteur de RAM met du temps à se mettre à jour, apparemment. Donc ça, c'est fait. Maintenant. Ah, apparemment... Ah oui, j'ai pas fini. D'accord. J'ai pas vu ça. Oh, ok. Ok. Ok, donc ça, c'est double effet. Je peux choper les rats et gratter le sol, ratifier... Waouh. Voilà, donner un coup de râteau sur le sol en même temps. Bon, alors, du coup, maintenant les fenêtres.
Allez, même, tiens, on fait la fenêtre, on s'occupe des feuilles et des rats en même temps. Il y a triple action, triple attaque. Moi, j'essaie d'être le plus productif possible, hein, toujours, vous le savez. Voilà, hop. Ok. Voilà. Je crois que je suis bon côté fenêtre. Donc maintenant. Adra. Alors, ok. Hop. Voilà. On s'occupe des fondations. Alors, je sais pas d'où on sort ces blocs là. Est-ce qu'ils sont gratuits ou est-ce que ça nous est donné là, ça aurait été bien de pouvoir les acheter, vous voyez. Que ça soit part de la. Que ça fasse partie du côté simulation économique, vous voyez. Si le restaurant est endommagé, il faut payer les pièces de rechange. Et donc, il faut servir de la clientèle ou avoir le budget pour. Un genre de choses. Et apparemment, là, ça nous est offert. Ok. Ah, oh purée. J'en avais pas du tout pendant pas mal de temps. Et là, d'un coup, j'en ai 4 ou 5 de suite. La petite musique, là, je la reconnais. Elle est souvent dans les jeux du genre. Je pense que c'est une musique libre de droit. Donc on est bon. Maintenant, il faut aller sur le toit. Je crois que je peux y aller. Non, il faut vraiment sauter. Ok. Ah non, non. Ah comment je me rate sur ça. Ah oui, parce que je glisse quand j'avance. Voilà, comme ça va être plus simple. Alors. Wow, ok. Bon, je me suis arrêté là dans la partie de test, donc à partir de maintenant on est en mode découverte. Hein, une fois que j'ai vu que le type de jeu que c'est, j'ai décidé de le présenter parce qu'il me parle toujours. Je sais que c'est pas forcément les types qui parlent à tous de jeu. Mais moi. Oh. Ok, je peux quand même passer là. Ah ouais, un coup de marteau et hop, la terre tombe en fait, ça. On aurait dû avoir un karcher là pour faire le tout. Alors, je crois que c'est bon. Quel est le problème là? Qu'est-ce qui manque? Il manque une fenêtre ou un bloc de fondation? Alors on va descendre. Alors je fais le tour. C'est un bloc caché là, non? Ah non, c'était une fenêtre. Voilà. Donc là, peint les murs ou met du papier peint. Là, on va dans Avazone. Alors, peindre. Ouh. Ok, peindre ou du papier peint. Ah. Et... on va peut-être peindre. Je pense pas que pour un restaurant c'est une bonne idée de mettre du papier peint. On va prendre de l'orange toujours. Oh. C'est peut-être un tout petit peu. Ouh, ça va choquer les yeux ça, non? Alors on va essayer autre chose. Hop. Amazon. Peut-être ça serait moins brutal sur les yeux. Ouais. Ok, alors. Peut-être du papier peint, je pense. Peut-être mieux fait pour... Ah, ça se met sur le sol. Ça se met sur le sol. D'accord. Ah, les murs. Ça, voilà, papier peint, c'est plutôt ça. Du coup, toi, c'est la carpette. Hein. Ça ? Ça. On va encore critiquer mon style de décor. On va me le dire dans les commentaires, ça. Mais bon. Je suis pas fan, hein. On va y aller en orange à fond, hein. On va y aller en orange à fond. De l'argent plus tout ça. Je pourrais pas avoir un aperçu vraiment sur le mur, vous voyez, avant de le poser. Allez. Ah mais attendez, j'ai également la catégorie mur. Ah ouais, ça va être plus joli, beaucoup plus joli. On va essayer celui-là. Ensuite. Qu'avons-nous d'autre? Ça. Ok.
Ah ouais, c'est beaucoup plus joli que ce qui est l'autre là. Du coup, peut-être toi. Ouais, allez, on va y aller avec ça. Ça va faire plus classique. Et ça va moins faire mal aux yeux que ce que l'on a déjà là. Voilà, ils me disent de les peindre ou de mettre du papier peint, hein, mais j'y vais avec ça. Ils me disent tâche terminée, alors que je n'ai pas encore... Je suis pas encore occupé de cet endroit. D'accord. Maintenant, rajoute au moins 5 objets au menu, on s'occupe pas du sol et tout. Bah, je vais le faire tout de suite parce que il est encore un petit peu... Okay. Alors, sol. Sol. Alors ça, c'est typique des restaurants américains. Mais tant qu'on a du plancher... Voilà. Ça coûte 10 par contre par... Je sais pas si plus sombre aurait été mieux. Plus sombre permet de cacher les taches. Donc voilà. C'est quand même sympa. Et ouais, on peut quand même aller là. Donc je vais le faire. Je sais pas pourquoi il ne me laisse pas changer les murs du côté là. Ok, là ça a l'air plus propre en fait. Pour ça. Regardez, oh, très joli. Alors du coup, tablette, menu et ajouter au moins 5 petites choses. Alors, pizza. Ok, alors pizza, pepperoni. Oula. On le rajoute ça. Alors, je me demande s'il ne faut pas les machines et les ingrédients avant. Est-ce qu'on a la cuisine? Est-ce qu'elle est elle peut être ouverte maintenant? Ouais, on peut y aller. Ouais. Oh. Ok. Oh, je l'ai fermé derrière moi. Non, mais on ne ferme pas. Donc, c'est là qu'on va voir les ingrédients. Et les étagères ont l'air un petit peu... Oula, ok. Je commence à avoir froid. Donc, je me dis peut-être la cuisine là. Et on sert les clients là. Ça serait ça la logique, mais cet endroit a l'air... tellement mieux avec, vous voyez, les grandes fenêtres. Bon, alors, du coup. Si je veux mettre... Oh, pas de facture. Si je veux mettre toi. Il faut un frigo. Une table de préparation, je suppose. Et une gazinière. Donc. Alors. Il faut toi. 250. Que je pourrais te mettre là, en fait. Ouais, je pourrais les mettre là. Et mettre une barrière là. Ouais, ce serait mieux parce que la cuisine est juste à côté. Alors, toi tu vas être là. Je sais pas si t'es droit là, t'es pas droit. Voilà. Ok, on va te mettre là. Bien. Maintenant, il nous faut un frigo. Quel côté le frigo? Il est ce côté là. Tremble un petit peu, c'est bizarre. Très bien. Et il nous faut de l'électricité. Ah non, c'est bon, on a de l'électricité. Ensuite, il nous fallait la gazinière. 150. Picote un peu, mais... Je me demande si je devrais peut-être dû mettre la gazinière. Et le frigo... Ok. Elle est allumée déjà. T'as de l'électricité, hein, là, si tu fonctionnes. Ah, il n'y a pas de sortie. Ah, il n'y a pas de sortie pour... là. Ok, ça. Et au-dessus. Voilà. Il me dit pas d'électricité. Qu'est-ce qu'il nous faudrait d'autre? je crois que je suis bon là. Hein, je crois que je suis bon. Il faudrait peut-être de la lumière. Alors. Là pour le cuistot. Est-ce qu'elle est droite? Elle est pas droite. Ok. Mettre là. Pas droite. Ok, c'est juste qu'elle se met de travers ensuite. Est-ce que je peux te changer toi à nouveau? Ah là, comme ça on a un restaurant. Ah, il me faut également repeindre le toit. Mais bon, avec ça, est-ce que maintenant je peux rajouter des choses au menu? Il nous faut... Alors... Du salami, de la pâte, des tomates, ketchup et des oignons, je suppose.
ça. Ça, ça. Ça. Et la patte. Retire-toi là. Retire-toi. Elle est là la patte, c'est ça? Allez. Ah non, ça c'est. Elle est où la patte? Ah, je l'ai déjà mise, ça la patte? Non, ça c'est les oignons. Regarde à nouveau le menu. Là. Ok. Ah, 5 à la fois. Donc. Hein? Ah, elle s'est mise là. Faire l'aller-retour. Alors là, il y a un gars qui dit il veut de l'argent, sinon il va péter nos fenêtres. Bon, ok, prends tes 15 dollars. Et va-t'en. Alors. Voilà. Alors, du coup, je vérifie. Je crois que je me suis gouré sur un. Là, je peux pas voir ce que l'on a. Je peux pas avoir un aperçu. Ah. Ça, 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 ça. Il m'a mis un symbole de fromage. Que, ok, maintenant il nous faut ça. Voilà. Purée, livraison Amazon rapide. Hein. Voilà. Normalement, je peux au moins avoir une chose dans le menu. J'ai tout et je peux toujours pas le rajouter. Changer le prix. Oh, tain, j'ai cliqué, mais j'ai dû cliquer à côté. D'accord, d'accord. Alors, du coup, ça, 4 fromages. Les lasagnes. Les lasagnes, ça demande ce que j'ai déjà. Ça a juste nous demandé des pâtes. C'est quoi ça? C'est du lait peut-être? Et des. Ok. Alors, on va prendre toi également. Ça, ça nous demandait d'autres ingrédients, mais c'est bon d'avoir de la variété. Et ça, on demande également la même chose. Ok. Mais maintenant, comment est-ce que je sais ce qu'il me faut? Faut que je les fasse un à un, c'est ça? D'accord. Fromage, pâte, lait, oignon. On va déjà commencer par ça. Je sais pas c'est lequel des deux qu'il nous faut. Fromage, pâte, lait, oignon. Ah, ça, il nous en faut. Voilà, on va faire le transfert. Et là, la dernière boîte. Alors, j'ai une inquiétude. Parce que ça, regardez, l'icône de la pâte n'est pas la même que cette icône-là. Est-ce que c'est pour dire qu'il faut plus de boulot sur la pâte? Parce que ce type de pâte n'est pas dans le magasin de nourriture. Il y a ce type de pâte et uniquement ça. Donc, je suis pas sûr, c'est à voir. Donc, maintenant, il nous demande quoi? Prépare la caisse. Une table à la cuisine. Ok. D'accord, donc j'ai tout sauf la caisse. Donc on va dans Amazon. 500. Et on va la mettre là. On va la mettre là, on va la mettre ici. Voilà. Je peux... Voilà, je peux pas passer. Ok, donc on va l'avancer un petit peu. On va la mettre là. On va la coller au mur comme ça. Ah, comme ça on peut passer là sans problème. Et alors tu me dis qu'il n'y a pas d'électricité, même chose que là et je comprends pas trop. Ok, et deux tables pour les visiteurs. Donc c'est parti. Les meubles. Ouh, ok. On y va à l'européenne, hein, même si c'est clairement... Voilà, on va plutôt prendre ça. Table supréno. Donc on va en mettre une là. Quoi? Oh, cette zone est pour la... Ah non, c'est juste qu'on est trop proche, d'accord. Je peux par contre te mettre là. Très bien. Il y a pas mal de distance entre chaque chose hein, à mettre. Et on pourra peut-être en mettre une autre ici plus tard. Là, il nous demande d'en mettre un, mais j'en ai déjà mis.
Ah, quoi? Oh, il faut des prises. D'accord, c'est les prises. Et là, il nous faut... Il nous faut quelque chose pour laver. Ah. Là, pas trop de logique dans la dans l'ordre. On va mettre un peu de distance. Si on a besoin d'une prise. Voilà. Alors. Engage quelqu'un pour travailler à la table de cuisine. Passe commande là. Mais avant, je voudrais voir pour l'électricité. Ah, ici. On va la mettre en bas, là. Voilà. Donc on a ça, ça, et on a ça. Voilà. Intéressant ça, je l'ai jamais vu dans les jeux du genre. Oh, il y a un autre rat qui se ramène. Alors, connecté. Voilà. Maintenant. Non mais oh. Je sais pas. Voilà. Ah, maintenant il y a des cafards. Oh. Alors il me faut acheter une nouvelle outil. Ah, c'est carrément un aspirateur. On a même pas commencé à cuisiner quelque chose qui a déjà des cafards quoi. Quelqu'un. Endurance. Ok, toi tu t'occupes de la table, donc théoriquement c'est plutôt l'endurance. Ouh. Ah oui, vitesse de boulot. Motivation très basse. J'aimerais bien quelqu'un qui est assez à toi. Très bien. Installe 2 bio-toilettes à l'extérieur. On va les mettre là. Est-ce qu'on pourrait pas peut-être les mettre à un endroit où on n'a pas de vision? On va les mettre peut-être là. Là, c'est bon, hein. Okay. Peut-être les mettre là, je me dis pas de là où les gens peuvent voir en fait. Alors pour ça. Ça, les biotoilettes, on est d'accord? L'entrée est où? C'est ça. Okay. Ah, je peux pas le mettre là. On va devoir les mettre. Bon, on va les mettre là. Vous pouvez discuter si vous voulez pendant. Ouvre le restaurant et sert 10 clients. D'accord, bah le restaurant il s'ouvre d'où? De là? Il y a encore des cafards. Alors avant. Où les cafards? Pas qu'ils sont dans la réserve. On va faire 100. Ils sont peut-être à l'extérieur. Bon, si c'est extérieur, c'est pas trop grave. Alors, restaurant. Ah, c'est là. Quoi? Le restaurant a des objets qui ne sont pas connectés aux principaux, quoi? Où il parle? Alors, venez les clients. Je vais peut-être mettre une autre table. On a de l'argent. 6300. Ah, d'accord. On ne peut pas mettre de meubles quand on est ouvert. D'accord. Allez, venez, venez. Ouh, premier client. Purée, cette attitude-là, celui-là.
Il sait ce qu'il veut. Bon. On a des factures à payer déjà. On va payer, hein. Quoi? Il n'y a pas assez de... Ok, on n'a pas ce qu'il faut pour préparer son repas. Bon, il y a normalement tout ce qu'il faut là-dedans. Il voulait peut-être des pancakes, alors on va peut-être les retirer. Si je retire... Je peux mettre ça, ça j'en ai. Voilà, et on retire toi. Alors si c'est... Ah, si c'est orange, peut-être qu'on n'a pas ce qu'il faut. On va regarder. J'ai ça. Non, j'ai tout ce qu'il faut. Je sais pas s'il y a un souci ou quoi. C'est la difficulté de la préparation, le nombre d'ingrédients. Allez, un autre client qui arrive. On est prêt. Il n'y a pas la queue, hein, par contre. Alors, ok, tu veux 7 pizzas. Donc, pizza, margarita. Rien. Donc là, c'est en préparation, je suppose. Ah ah! Ça vient là. Coupe pas la planche, s'il te plaît. Et je vais devoir servir moi-même, je pense. Ah oui. Donc là, la casserole sur le côté. C'est une technique spéciale pour les pizzas. Et donc moi, je prends ça. Et je vais le servir au client. Ouh, génial. Et je garde l'autre morceau de la pizza pour moi. Ah ah. Un premier client, génial. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre déjà. Ok, oh purée, ça y est, ça s'accélère. Tu veux une pizza pepperoni? Oh bah dis donc. Hop, on la commande. Je me demande si je peux... vu qu'on a que 5 plats... Ah non, je peux pas pré-commander. Je voulais genre avoir ouais, tous les types de pizzas sur mon petit machin, là, mon présentoir. Et... ils sont mis à d'autres tables. D'accord. Et une fois que... Bah, quand quelqu'un arrive, je lui sers quelque chose qui est préfait, quoi. Bon, c'est pas trop l'esprit des restaurants, mais je pourrais mettre une vitre teintée. Ils vont pas savoir ce qui se passe. Alors. Hop. On prend ça. Et on va le mettre, hein, lui donner à lui. Alors, deux tables, mais ils viennent... de quatre, mais ils viennent un à un. Donc ça m'arrange pas trop, ça, pour être franc. Et quelqu'un d'autre qui vient. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec lui? Est-ce qu'il va... se mettre à une table avec un autre bonhomme ou pizza 4 fromages? Dis donc, c'est pizza. Hein. Ok. Ouh. Oh non, oh, il m'a. D'accord. Il avait fini de manger et il m'a payé. Hein. Oh. On a payé 0$ en salaire? Ok, alors je vais peut-être devoir aller dans les outils, acheter ça. Non? Bon, c'est... Attends, hein. Ok, la commande est prête. Pour lui. Lui, il veut pas partir. Lui, il a décidé de rester là. Alors, outils. Non. Ben, ok. Ah, nouvelle commande. Je suis là, madame. Lasagne. Oh, les premières lasagnes. C'est sûrement dans pasta. Non, ça, c'est pas ça. Soupe, fast-food, sushi, pasta, pizza, salade, autre. Ok. C'est dans autre. Et l'autre a payé. Prends l'argent. Ouais, donc là, il faut vraiment me mettre d'autres tables si je veux accélérer les choses. Alors, on a quoi d'autre? En outils, ça, c'est... Ok, encore dedans. Ah, c'est vrai, je peux pas l'ouvrir. Je peux par contre faire de la commande. J'aimerais bien voir là où on en est, vous voyez. Là, ils nous disent qu'on en achète 10, mais j'aimerais bien avoir une petite parenthèse. T'en as genre 5 qui te restent. Enfin, je peux le voir. De là quand même. Ok, il nous faut du ketchup. Des pâtes. Ok. Ketchup. Margarita.
Les lasagnes, c'est pour qui déjà? C'est pour elle, hein? C'est pour elle. Et Ok, c'est une démo, hein? Hop. Ouais, non, mais il y a de l'idée. J'aimerais que la partie... Voilà, le monde arrive en chaîne. Que la partie, par contre, de gestion du restaurant... C'est plus fun de préparer le restaurant que de gérer le restaurant lui-même. Donc j'aimerais qu'il y ait un petit peu plus de construction et de préparation et plus de choses, peut-être, que le développeur pourrait trouver à nous faire faire en dehors de servir la clientèle. Parce que là, on passe à un aspect qui est un petit peu... redondant, on va dire. C'est toi, hein? Non, mais... Ouais, celui-là, ça. Voilà. Ouais, j'ai déjà fini la tâche. Ah, lui, il est reparti. Quoi? Oh, j'ai parlé d'autre chose. Oh. Oh. C'est quoi, une bombe nucléaire qui a explosé ou c'est une tempête? Pas fermer la porte. On n'a pas de porte. J'en ai pas mis. Mais attends. Ah, c'est des déchets, ok. Ah, c'est des déchets qu'ils laissent en fait. Je pensais que c'était leur petit gobelet. Ah bah, lui veut vraiment sa part de pizza, lui, hein. Alors, on a débloqué une nouvelle fonctionnalité. C'est quoi les nouvelles fonctionnalités? Oh! Oh! La fenêtre? Il y a pas... Ah oui, bah il y a pas assez. Bah oui, parce que ça... Ok, bah voilà, c'était ça le... Ce que je pensais... Ah, et là, il faut nettoyer à nouveau. Alors toi, va-t'en. Va-t'en. Prends tes 4$ et va-t'en. Pas le moment. Ouais, ça est tellement puissante que... Elle me pète mes blocs de fondation. Et là, il y a des feuilles partout maintenant, c'est... Oh, et la démo est terminée. Oh, ça y est, bon, ça aurait été un petit peu plus court. Mais d'accord. Je pensais vraiment qu'une fois que le restaurant était prêt, on se lançait vraiment dans... la gestion pure et unique du restaurant avec le service, l'achat des ressources et des ingrédients et le service de la clientèle. Mais en fait, non, il y a des événements qui nous attendent. Il y a également le petit bonhomme qui vient mendier de temps en temps, qui nous menace de péter nos fenêtres si on le paye pas. D'accord. Il y a d'autres choses, donc je suis bien curieux de voir ça un petit peu plus tard dans le jeu. En attendant, merci à vous d'avoir regardé et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye bye!